J'en ai ras le bol, ça fait 58 millions de fois que mon appareil ne marche pas. Je vais péter un câble parce que je suis floue, et oui, je suis floue. Et voilà, et ça m'énerve ça. Oh, j'ai pété un câble littéralement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Évidemment c'est une vidéo parce que ça va pas être une photo parce qu'on est sur... Enfin bref, on s'en fout. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo qui se développe sur YouTube en ce moment. Et je la trouve genre trop drôle. Voilà. C'est la vidéo où je vous parle de mes tics, de mes tocs, de mes tacs, de mes habitudes un petit peu bizarres. Ça va nous permettre d'être plus proches, d'être plus proches, tu vois. C'est parti. Alors, premier fait, je peux pas finir un repas sans manger un bout de pain. C'est psychologique, je peux pas. Même si j'ai pris mon dessert ou même si j'ai pas pris mon dessert, que j'ai mangé une soupe, enfin, du moment où je quitte la table, faut que j'ai mangé un bout de pain. C'est extrêmement bizarre, ma bouche elle a besoin d'un pain. Mon deuxième fait, j'adore me craquer les doigts. Ah, j'adore, c'est trop... C'est pas bien, je sais, ça fait de l'arthrose, nanani, nanana. Mais par contre, je déteste, mais je... Oh, ça m'insupporte, je vous jure. Entendre les autres le faire. Si quelqu'un le fait à côté de moi, je pète un... Ah, ça me dégoûte, le bruit, là. Oh. Mais quand c'est moi, ça me fait rien, mais c'est trop bizarre, genre... Oui, merci, bien sûr, Zoé. Alors, un autre truc, je déteste, genre, je suis sur l'ordi, que quelqu'un s'approche de moi et mâche. Genre il a un chewing-gum où il mange un bout de pain. Du pain, j'aime beaucoup le pain. Et genre entendre son petit... Ça me dégoûte, littéralement. Du coup quand c'est... Comme des fois ma mère elle vient par derrière, elle regarde ce que je fais machin. Je dis maman je déteste quand tu mâches, c'est... Je ne peux pas, je sais pas pourquoi. Voilà, il y a beaucoup de trucs qui me dégoûtent. J'imagine la bave, tu sais, dans la bouche des gens qui font genre... Et tout, et j'aime pas du tout. Alors des fois quand genre je vais le matin, quand je vais en cours, genre quand je vais jusqu'à l'arrêt de bus pour prendre mon bus, enfin logique, un arrêt de bus c'est pour prendre son bus, j'imagine que genre au fur et à mesure que j'avance, le sol derrière moi il se détruit. Ou comme quand je suis sur un pont, que genre le pont au fur et à mesure que j'avance il se détruit, je dois me grouiller pour pas être emportée et tout, et je me crois trop dans un film. Voilà, c'est trop bizarre. Et du coup je me dis regarde pas derrière, regarde pas derrière. Où que j'aille, c'est moi qui dirige où est-ce que la terre elle va se péter. En même temps ça met un peu de l'action dans ma vie parce que bon, voilà. Alors des fois j'ai peur, quand il fait nuit et que j'ai pas fermé mes volets donc que je vois la nuit, c'est que j'ai extrêmement honte. J'ai peur qu'il y ait un papillon en mode énorme collé comme ça. Ah rien d'y penser là, ça me met des frissons. Genre vous savez peut-être pas mais j'ai la phobie des papillons. Déjà pour aller chercher cette photo sur internet, j'ai dû faire preuve d'un énorme courage. Voilà, donc merci de ne pas me juger. Donc je vais aller chercher la photo du papillon. Oh my goodness. Ah, pardon, excusez-moi, pardon. Ah, je vous jure, je ne fais pas semblant. Je vous jure. Ah mon dieu, je vous jure. Comment on ferme cette page? Ah, Berk. Et vraiment je sais pas d'où sort cette peur et j'ai extrêmement peur des papillons, mais de loin ça va, genre à 10 mètres de moi, mais quand ils commencent à s'approcher là avec leurs ailes qui fait brrr, ah non je peux pas. Et genre j'ai trop peur de tourner la tête et de voir un énorme papillon, genre énorme, genre 2 mètres, collé à ma vitre, genre ah. Alors sinon des fois quand je m'ennuie en cours, je m'imagine que je mets stop dans la vie. Genre je me dis ouais ce serait trop cool que j'ai un pouvoir, genre je claque des doigts et hop ça met stop et y'a que moi qui peux bouger. Mais par contre je dois être à cloche-pied. Je sais pas si vous avez vu les sorties de Waverly Place. Et ben Alex elle faisait ça, elle faisait genre hop et elle pouvait mettre stop à tout. Et par contre elle devait être à cloche-pied. Je pense que ça m'a un peu tout, enfin genre marqué. Je sais pas, j'ai envie de mettre stop à la vie, ce serait trop cool. Genre tu mets stop, tu rencontres tous tes stars, tu fais des photos, pictures, nanana. Même j'aimerais trop mettre stop, aller chez les gens. Alors un autre truc, je ne peux rien faire sans m'être lavé les mains, c'est à dire que à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a des bactéries sur mes mains, genre des germes et tout, et ça me répugne. Alors au collège bah je vais pas me laver les mains parce qu'il n'y a jamais de savon donc on s'en bat avec. Quand je rentre des cours je me sens sale, mais un truc de malade. Du coup je me lave les mains mais direct, je peux rien faire sans m'être lavé les mains. C'est extrêmement bizarre. Alors des fois je me donne des petits défis. Imaginons je marche et il y a une voiture et je me dis bon je dois avoir traversé avant que la voiture tourne à gauche. Je me donne des défis mais genre complètement débiles, on s'en fout littéralement de mes défis. Je dois avoir fini de mettre mes chaussures avant que mon père ouvre la porte. Enfin c'est extrêmement bizarre et j'ai l'impression que je dis que ça dans la vidéo, c'est extrêmement bizarre. J'ai l'impression que je le dis 10 000 fois. Voilà, donc si vous avez compté combien de fois je l'ai dit, mettez-le moi dans les commentaires. Alors aussi un truc, j'ai toujours une chaussette.
Tu me vois jamais avec deux chaussettes, enfin à part dans mes chaussures. Je rentre chez moi, je mets mes chaussures, nanana, j'ai mes deux chaussettes. 10 minutes plus tard, il me reste plus qu'une chaussette. Et genre qui est mise à moitié, je sais pas comment vous dire. Ma chaussette n'est jamais mise bien, elle est toujours comme ça. Je m'en rends pas compte, en fait je l'enlève avec mon deuxième pied, enfin c'est trop bizarre. Elles se lavent pas en même temps du coup, comme elles sont pas en même temps au sale. Je me retrouve avec une chaussette rose, une chaussette noire. C'est un tic, c'est un toc, c'est un fait. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert des trucs un peu plus sur moi. Si vous avez vous aussi des trucs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime si vous aimez. Voilà, c'est le principe du j'aime. Genre je vais vous montrer un petit tuto pour savoir dès que je poste une vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit engrenage. Et comme ça, dès que je mettrai une vidéo, vous aurez une notification et vous ne raterez rien. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve samedi prochain à 15h pour une nouvelle vidéo. Et suivez-moi sur Twitter et sur Instagram et sur Snapchat. Why you wanna play ball the rainy summer noon when we can stay inside and watch a flick, make some beats, wait for the moon.